Bienvenue à cette grande émission Vérité face à face avec Serge Niawa, votre animateur, qui reçoit aujourd'hui dans ce studio, il n'est plus à présenter, Monsieur Yves Kenao. Depuis sa position, il est depuis la Californie et nous le recevons présentement dans ce studio. Alors, nous allons toutefois essayer de parler de l'actualité internationale et de l'actualité panafricaine récente. Alors, au niveau de ces deux actualités, nous allons commencer par l'Afrique et nous allons terminer par les États-Unis avec la suspension, la soi-disant suspension du président de la République, Donald Trump, aujourd'hui qui est à l'honneur. Et avec Tempo Afrique, nous allons en savoir plus. Notre ami Kenao, c'est le spécialiste aujourd'hui de ces informations et qui a beaucoup, beaucoup d'informations à essayer de nous apprendre. Mais il faut dire que nous voulons la vérité, tout ce qui se passe dans ces deux États, sinon je peux dire dans ces deux endroits, que ce soit l'Afrique, que ce soit les États-Unis. Alors en Afrique, nous allons parler de la sortie du président français Macron, Emmanuel Macron, qui a d'abord dit à ses amis africains, sinon au président du G7, de pouvoir qualifier leur position. Et nous allons tout à l'heure exactement lire ce qu'il a dit. Alors, M. Yves Kenao, merci encore une fois de plus d'être avec nous dans ce studio. Bonsoir et merci pour m'avoir invité. J'ai dit bien dans ce studio, mais il est depuis la Californie, c'est via Skype. Encore une fois de plus, je corrige cela. Alors, M. Yves Kenao, je pense que vous avez vécu la sortie de Macron, mais je vais exactement lire ce qu'il a dit et je cite... Voilà ce que Macron dit finalement. J'attends des chefs d'État du G5, il a dit bien j'attends d'eux, qu'ils clarifient et formalisent leur demande à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Alors, M. Yves Kenao, et quand on prend d'abord la première phrase qui dit « J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leur demande à la communauté internationale et à l'égard de la France. » Alors, qu'est-ce que cela vous dit? Voilà, M. Serge Niawa, merci encore une fois pour l'invitation. Vous savez, dans cette histoire de l'Afrique et la France, surtout dans ces histoires d'accord, de soutien, moi, ça me fait rire. Monsieur Niawa, est-ce que les pays africains avaient-ils exprimé leur clarté à la France avant qu'il y ait ces accords de défense? Avant qu'il y ait l'intervention d'armée française sur le sol africain, afin qu'il y ait la création de bases militaires et françaises sur le sol africain, avaient-ils clarifié leur position vis-à-vis de l'opinion internationale? Je ne crois pas à ce que je sache. Je ne crois pas que ça ait été le cas, M. Niawa. La France avait décidé... elle seule, unilatéralement, de rejeter des tests. Vous-même, vous avez lu, entre-temps, la charte des défenses, des accords de défense que les Français ont écrite pour imposer à l'Afrique. Vous prenez cette charte-là de défense, on a laissé des lignes de pointillés. Vous remplissez le pays qui correspond. Si c'est le Togo, vous mettez Togo là-bas. Si c'est la Côte d'Ivoire, vous mettez Côte d'Ivoire. Si c'est le Niger, vous mettez Niger. Et c'est
ce formulaire-là qu'on a présenté à tous les pays du Sahel. Mais aujourd'hui que ces pays-là sonnent sur la sonnette d'alarme pour dire que ça ne va pas, pour dire que la France doit corriger son tir sur le sol africain, on trouve le courage, l'audace, maintenant de tourner la balle aux pays africains du Sahel. Pour qu'ils disent qu'ils ne veulent plus de la France sur le sol et demain qu'on trouve raison, justification pour intervenir et dégager ce président-là sous prétexte qu'ils ont désobéi au maître. D'accord. Moi, je trouve que c'est une insulte. C'est une insulte à ce chef d'État du Sahel. Si M. Macron veut retirer ses bases du sol africain, du sol sahélien, qu'il le fasse unilatéralement comme il avait fait intervenir ses forces. Mais ce qu'il dit, je ne sais pas si tu as pu puiser cela, il dit qu'il faudrait que les chefs d'État clarifient et, comment il dit encore, formalisent leur demande. Mais c'est ce que je vous dis, est-ce que la France et à la communauté internationale. Est-ce que les pays là avaient formulé continuent d'être encore sous le joug de cet esclavage? Moi je dis une fois, est-ce que ces pays là avaient fait des demandes pour que la France vienne installer ses militaires chez eux? C'est la question. Elle est simple. Si je n'avais pas formulé une demande, comment voudrais-tu que je formule une autre demande pour dire ne viens plus, retire tes forces? Non. Ça je vous comprends. Ça veut dire qu'ils n'ont pas formulé de demande et ce n'est pas maintenant qu'on va leur demander de formuler une autre demande pour de retrait. Ils n'avaient pas formulé de demande d'adhésion pour qu'ils puissent envoyer. Si je ne vous avais pas envoyé, monsieur le directeur, j'ai l'honneur de solliciter. Si je ne vous avais pas envoyé cela, vous n'allez pas me dire de vous envoyer une lettre de démission. C'est donc ici, c'est comme il est en train de demander à ce chef d'État-là de lui envoyer une lettre de démission. Non! C'est là que je dis qu'on s'en fout pas mal de la gueule de ce chef d'État africain-là, du Sahel, en un mot, et de toute l'Afrique en général, parce que, M. Niawa, la France ne peut pas demander à le Togo ou le Niger ou le Burkina, bon, je n'appelle pas le Togo puisque ce n'est pas un pays sahélien, le Burkina, le Mali, le Niger, la Mauritanie ne peut pas demander à la France de formuler une demande d'installation de base. Ils ne l'ont jamais fait. Vous voyez, c'est là que l'indépendance des pays africains ne joue aucun rôle. Si vraiment les pays africains du Sahel étaient souverains, Macron n'oserait jamais. Macron ne peut en aucun cas demander au président américain de faire une demande, de clarifier sa position et de la présence des forces. Ça ne sera jamais fait. Mais d'accord. Comme c'est en Afrique, bon. D'accord. Je pense que vous avez presque tout dit. Il y a dans ces jours le président du Burkina Faso, Roch Kabore, qui a eu quand même une interview avec des journalistes du Burkina Faso. Et bon, on lui aurait demandé de ce qu'il pense de la sortie de M. Macron. Et il a dit tout simplement que le président Macron a utilisé un temps et puis aussi la forme, sinon le contenu de son information pose beaucoup de problèmes et d'indignation. Alors, voilà ce qu'il a dit. Et il continue de dire que nous devions clarifier la coopération avec Barkhane. Alors, quelle analyse faites-vous de cette sortie du président du Burkina Faso? Voilà, le président du Burkina Faso, si je veux être honnête avec vous, M. Niawa, est en train de signer son propre départ. Je vous le dis. J'ajoute aussi, M. Kenao, ouais, qu'il a dit avant
qui se croisent le 16 décembre qui arrive là, le 15 décembre, c'est aujourd'hui. Ils vont essayer de se concerter. Tous les cinq présidents vont se concerter et voir s'ils vont partir ou bien ils vont refuser de partir. Mais c'est une concertation. Il ne sait pas ce qui va sortir de cette concertation, M. Kenao. Je vous dis qu'aucun ne refusera de se présenter. Tous seront présents là-bas. Parce que celui qui refusera de se présenter a signé son arrêt de mort. M. Kabore a osé. Le président Kabore a osé. Mais, Serge, je vous dis que si les autres ne le soutiennent pas, si quelqu'un d'autre ne fait pas une autre déclaration, M. Kabore va payer. Le maître ne va pas tolérer cette réaction. Vous croyez que M. Macron pense vraiment au ton qu'il faut s'adresser à ses chefs d'État africains? Non. Et je continue encore, M. Kenao, ouais, qu'il a dit, le fait que M. Macron s'adresse au président du G5, il faudrait que M. Macron sache que ce sont les mêmes, ils sont des présidents, donc il doit avoir quand même un respect mutuel. Monsieur, voilà. Je vous ai dit, M. Macron ne parle pas au chef d'État du Niger ou du Burkina Faso comme un chef d'État. Il lui parle comme son envoyé, même pas comme son ministre. Parce que le ton qu'il a utilisé, il n'utiliserait pas ce ton-là devant son ministre. Je vous le dis. C'est-à-dire que c'est comme ceux-là sont ses envoyés. Ils doivent faire sa volonté. Il s'est énervé d'abord parce que ces chefs d'État-là ont osé poser le problème. Mais c'est ce que les chefs d'État du Sahel doivent comprendre. Que M. Kabore s'énerve ou pas, M. Macron s'en fout. Mais tout ce qui intéresse M. Macron, c'est que M. Kabore se soumette à ses décisions. Mais en attendant cela, M. Kenao, ouais, c'est à la télévision, au moment où faisait hommage aux 13 militaires soldats décédés, c'est en ce moment il a dit ça. Mais après, il a amené une lettre d'invitation à tous les chefs d'État, et Kabore a reçu, le président Kabore a reçu cette lettre d'invitation pour dire que nous vous invitons à prendre part aux réunions, à la réunion qui sera, la concertation de réunion qui aura lieu à Pau, précisément au Burkina Faso. Voilà encore une autre. Voilà, c'est ce que je vous dis. Yeah. Que, bon, c'est bon, il a parlé. Au moins, il a eu le courage d'exprimer son sentiment. Les autres n'ont rien dit. C'est là que je vous dis que les chefs d'État africains, en fait, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, M. Diawa. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Mais ils sont dans un système où ils doivent obéir. Ils doivent obéir. Où les prochaines élections, ça ne va même pas attendre les prochaines élections. Une rébellion peut sortir de quelque part. Et avec cette rébellion, on va vous faire trembler et vous allez revenir s'agenouiller, demander. Vous êtes en train de parler de la stratégie utilisée par même la communauté internationale pour réellement imposer, comme vous l'avez dit, une rébellion et justifier cette rébellion. Ouais, voilà. Et justifier cette rébellion, je vous dis que ces histoires de djihadistes à travers le Sahel, qui a implanté ces djihadistes-là au Sahel? Parlons-en, M. Kenao. Qui a implanté ces djihadistes-là au Sahel? Ces djihadistes au Sahel. Voilà. Et maintenant, on demande ceux qui subissent le fait de djihadistes créés par la France de se prononcer. Vous voulez que nous vous défendions contre ces djihadistes que nous avons implantés dans votre pays, ou bien vous voulez que nous partions? Qui va dire non? Nous avons suivi le président Barakani et qui a complètement dit que les 13 soldats qui ont été, dont les gens se réclament pour dire qu'ils sont morts, il a dit que c'est la France qui les a tués. Mais il a expliqué pourquoi est-ce qu'il dit cela. Il dit, mais qui a formé les terroristes? Qui les a armés plus que les militaires même français? Et qui les entraîne, qui les dirige, qui les entretient?
et les mêmes terroristes, sinon l'État islamique a essayé de réclamer ce fait des 13 morts, des 13 soldats qui sont morts. Alors, M. Babakani sort de sa rêve pour dire que quand on voit tout cela là, qui a formé les djihadistes, qui les a entraînés, qui les a menés et de quel matériel se servent. Donc, il retire, il dit tout simplement que c'est la France qui l'a tué. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je n'ai pas de preuves que oui. C'est la France qui a fait ça, mais selon les explications que vous avez données, c'est-à-dire que ce n'est pas directement la France, mais indirectement. Les conséquences, ce sont les effets de l'action de la France qui a conduit donc à la mort de ces Français là. Tout ce que je peux vous dire, comparé au monde africain, les 13 là ne représentent rien, monsieur Niawa. Comparé au monde que ces djihadistes ont infligé à la population, aux populations africaines, les 13 là ne représentent rien. Vous me donnez, monsieur Kenao, l'occasion d'aller encore en profondeur. La France aujourd'hui parle des 13 morts. La France s'indigne de ces 13 morts. Nous avons vu hier Patrice Lumumba qui a été tué, on n'a rien dit. Nous avons vu hier Diallo Telli qui a été tué, on n'a rien dit. Nous avons vu hier des Africains comme Olympio, Sylvanus Olympio, qui a été tué, on n'a rien dit. Mais justement, 13 soldats qui ont été tués, ça veut dire que quand un blanc meurt, on s'en fout de ce qui se passe au niveau de l'Africain qui perd aussi sa vie. Monsieur Kenao, quelle analyse faites-vous de cela? Voilà, vous avez cité là des chefs d'État. Moi, je parle de la population. Prenez la Côte d'Ivoire. Combien d'Africains, combien d'Ivoiriens ne sont-ils pas morts dans la guerre de la Côte d'Ivoire? Sous les balles des impérialistes, de l'armée française. Et l'armée française était fière de remporter la victoire. Sur qui? Sur la pauvre population ivoirienne. On a tiré sur ces Ivoiriens-là comme des animaux. Vous prenez le cas du Libéria. Vous prenez le cas de la République centrafricaine, où les enfants sont molestés, où les femmes sont violées par l'armée française. Vous prenez le cas de la République démocratique du Congo à Béni. Les cas, vous pouvez les multiplier par N. Il y en a tellement de cas que quand deux soldats de l'ONU meurent, on crie au scandale. Quand les soldats français meurent, c'est le monde qui s'arrête. Mais quand les populations africaines sont exécutées sur le sol africain par ces armées étrangères, on passe cela sous silence. C'est là que je vous dis qu'il y a une ironie. Il y a une certaine hypocrisie de la communauté internationale, de l'ONU. Surtout qui est complice, qui est à part entière responsable de toutes ces guerres sur le sol africain. Et c'est là encore une fois que je dis que les Africains font un mauvais combat. Le combat que toutes les oppositions africaines font, le combat que tous les Africains font est un faux combat. Le combat, c'est de chasser le vrai combat, monsieur Niawa. Le vrai combat, c'est de chasser l'impérialiste du sol africain. Oui, mais de chasser l'occupant du sol africain. Comment ils vont le faire dans la mesure où... Je vous donne l'exemple, monsieur Niawa. Allez-y. L'énergie avec laquelle nous devons à combattre nos frères africains comme chefs d'État. Si nous dévoulions cette énergie-là contre l'occupant, contre l'oppresseur, il serait déjà parti. Ça fait 70 ans que l'Afrique dit qu'elle est indépendante. Mais ça fait 70 ans que l'Afrique est sous la domination de l'impérialiste sur l'occupant africain et sur l'occupant étranger. Combien de présidents n'a-t-on pas changé en Afrique depuis 70 ans?
Mais le résultat, il est le même. Et aujourd'hui, en 2019, alors en 2020, à la veille de 2020, nous continuons pas à parler du changement des chefs d'État. Nous continuons pas à jouer le même disque. Mais à force de jouer ce même disque, il va finir par s'enrayer. Et il n'y aura plus de musique. Le vrai combat, cher Africain, c'est de combattre l'impérialiste, de combattre l'occupant. Vous me donnez l'occasion encore. Comment il faut le combattre? Hier, avec la réunion de l'OTAN, le président Donald Trump a dit qu'il faut financer réellement le G5. Mais le financement ne va pas aller droit à la France. Le G5 doit avoir ce financement et bouter les terroristes hors de ce territoire. Monsieur Kenao, est-ce que Donald Trump a raison? Je ne parle pas de ça. Qu'il ait raison, qu'il ait tort, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que le continent africain doit voir comment le monde évolue. Monsieur Niawa, le monde est en train d'évoluer à une vitesse vertigineuse. Mais comme quoi c'est seul l'Afrique qui est là, qui ne regarde pas le monde évoluer. Vous savez que l'autre fois, il y a de cela deux jours, les Anglais, encore pour une seconde fois, ont dit niet, non à l'Union européenne. Alors vous croyez l'Union européenne, j'arrive, le Brexit, l'Union européenne, les responsables de Bruxelles ont cru que durant 3 ans, ils vont décourager les Anglais de sortir de l'Union européenne. Ils ont ramené le vote. Les Anglais, pour une seconde fois, ont sanctionné l'Union européenne. Mais que fait l'Afrique? Mais ils ont eu une réunion, M. Kenao. Au moment où je suis en train de parler, ils ont déjà fini la réunion. Que fait l'Afrique? Ils vont décider de ne pas aller, ils vont se concerter. Est-ce que, comme vous l'avez parlé de Brexit, est-ce que l'Afrique ne peut prendre cette décision? Je le pose encore cette question parce que le temps de, comment on appelle, molester l'Afrique est complètement dépassé. Les Africains ont dit qu'ils vont prendre leurs responsabilités. Ce rêve de croire que la démocratie va libérer l'Afrique, on a dépassé ça, cher Africain. Ce rêve, ce temps de croire qu'en suivant le maître, qu'en faisant comme le maître, on va se développer, est révolu. C'est passé. Maintenant, les actions sont là. Posons le problème. Vous me demandez comment on va sortir. Que le continent africain, je parle de l'africanité. Je ne parle pas des chefs d'État. Que le continent africain pose la problématique. L'Afrique veut sortir de l'ONU. L'Afrique va sortir de l'ONU. L'Afrique est un continent qui a toutes les richesses pour constituer une force. L'Afrique veut sortir de l'ONU. Monsieur Niawa, on va continuer, monsieur. C'est plus simple que ça. Voilà, maintenant, quand on dit l'Afrique veut sortir de l'ONU, l'Afrique dit nous n'avons pas besoin de la Banque mondiale. Nous passons de la Banque mondiale, nous passons du Fonds monétaire international. Nous passons de l'UNESCO. Mais ça y est, c'est très simple. Vous parlez de... Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Ça fait quoi? Ça fait qu'on est en train de couper les outils de l'impérialisme. D'accord. Voilà. Voilà, aujourd'hui, avec 450 millions d'euros, soit 500 millions de dollars, le Sahel peut mettre fin au terrorisme. Alors, M. Kenao, n'avons l'Union africaine, n'avons la CEDEAO. Croyez-vous que la CEDEAO, l'Union africaine, si l'Afrique ne peut pas avoir cette somme pour essayer de lutter contre le terrorisme? Le Niger fait partie du Sahel ou pas? Le Niger fait partie du Sahel, nous avons la Mauritanie, nous avons... La meilleure qualité de l'uranium vient d'où? Du Niger. Du Niger. Bien sûr. La Mauritanie a du pétrole. Le Niger a du pétrole. La CEDEAO est là. Le Nigeria est à côté. L'Union africaine est là. L'Afrique du Sud est là. Mais la Côte d'Ivoire est là, la Côte d'Ivoire est une puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Mais ils mettaient, l'Angola est là, l'Angola est là. Le petit pays Guinée-Bissau, tellement riche, on ne sait pas ce qu'il faut faire avec l'argent. Guinée-Bissau seul peut se porter volontaire
de financer ce projet-là. De Guinée équatoriale. Et Guinée équatoriale. Voilà. Je veux parler de Guinée équatoriale. Ibenga. Guinée équatoriale, là, le chef d'État à lui seul de Guinée équatoriale peut financer ce projet-là. Et laisser l'Union européenne, laisser l'Union, l'ONU, laisser la Banque mondiale en paix. Mais on ne va jamais le faire. Parce qu'on croit qu'on est dans une quelconque mondialisation qui nous dit son nom. La mondialisation n'est pas faite pour les faibles. Je vous dis ça. Et présentement, nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette mondialisation-là. Alors, que le Sénégal puisse financer, si le Sénégal peut, que le Sénégal finance ce projet-là. Que la Guinée équatoriale, que l'Afrique du Sud finance ce projet-là. Et qu'on en passe. Parce que, je vous ai dit, le temps de cette histoire de la démocratie libérale l'Afrique est passé. D'accord. Les Anglais ont pris leurs responsabilités en main. On dit, nous ne voulons pas de cette mondialisation-là. Que l'Afrique sorte de la mondialisation, et c'est très simple. D'accord. Nous allons encore entendre que l'Union européenne donne l'argent pour combattre quoi? Les djihadistes que l'Union européenne a créés. Effectivement, près de... Comment ça sonne, sérieux? Sois sérieux. Les djihadistes, là, ceux qu'on appelle djihadistes, ce sont des citoyens comme vous et moi. Ce sont des Africains comme vous et moi. Est-ce qu'il y a même des djihadistes? Est-ce qu'il y a même ces djihadistes, monsieur Kenao? C'est là. Est-ce qu'il y a même ces djihadistes-là? Parce que ce sont des individus comme vous et moi qui réclament quelque chose. Et comme on ne veut pas leur donner ce qu'ils réclament, on leur attribue des titres fictifs de djihadistes. Qu'est djihadistes? Monsieur Kenao, on va... Pourquoi ces djihadistes-là n'ont pas existé depuis que le monde est monde? Et c'est aujourd'hui que ces djihadistes-là, dans d'autres pays, on le trouve le nom de talibans, par ailleurs de mouradjids. Et partout, il faut trouver des noms bizarres pour être attribués à des citoyens de ces continents-là, de ces lieux-là. Je vous dis que vos théories d'école et d'université, j'en ai marre. On passe à l'action. Et cette action, ce n'est même pas par les armes. D'accord, on va passer à l'action. Il faut dire que, monsieur Kenao, il faut dire que il y a aujourd'hui à Kidal, c'est à Kidal que la base française armée est installée. Et Kidal est gorgé vraiment de ressources, de minerais, d'une richesse inouïe. Je ne sais pas pourquoi la France a choisi ce territoire. Et dans un deuxième temps, monsieur Kenao, hier on parlait de l'opération Serval. Cette opération a été initiée par François Hollande. Et quand M. François Hollande est parti, Macron est arrivé. Macron a initié l'opération Barkhane. Alors, M. Kenao, où va le Mali avec ces opérations qui ont fait plus de 5 ans sur leur sol, mais jusqu'à preuve de contraire, on n'a jamais inquiété les djihadistes et les djihadistes continuent de pouvoir tuer les Maliens, sinon les populations du Sahel. Monsieur Niamh, vous voyez le paradoxe. C'est cette même armée française-là qui forme l'armée régulière malienne. Et c'est cette même France-là qui a créé les djihadistes que l'armée régulière combat. Comment cette armée régulière va combattre les enfants de ceux-là qui les forment? Mais dites-moi! Ça veut dire, quand vous prenez le schéma du Mali et de beaucoup de pays, ça fait rire. Donc vous pouvez être d'accord maintenant avec M. Babakani. Quand il dit que les 13 soldats ont été tués même par l'armée française. Et il le confirme parce que, avec tout ce que vous venez de dire, qui a informé de ces guerres? Non, mon intervention se situe sur l'efficacité de ces armées régulières du Sahel. Les armées régulières du Sahel ne peuvent pas être efficaces contre ces djihadistes. Parce que les écoutes téléphoniques de ces armées-là, c'est la France qui les installe. Mais souvent, on nous dit c'est que la France qui sait les codes. C'est la France qui sait les codes de l'armée, par exemple, de l'armée malienne régulière. Supposons que l'armée malienne et régulière malienne veut attaquer de ce côté. Ces mêmes Français peuvent dire aux djihadistes, bon, passer de l'autre côté. Souvent, on dit que les écoutes, comment on appelle, les coups de fil téléphoniques sont
est totalement brouillée. Car il s'agit des Maliens qui sont à la base pour pouvoir communiquer avec les autres. Et maintenant, au niveau de la France, ce n'est jamais brouillé. Voilà. Donc, ça veut dire que la France contrôle un peu. Non, c'est pas un peu. Elle contrôle tout. Et n'oubliez pas que c'est la France qui vend les armes aux, à ces armées régulières du Sahel. C'est la même France qui arme les rebelles. Mais vous, vous imaginez comment ça se passe? Elle est au centre et elle tire de deux côtés. Maintenant, si le président... Ça, c'est un autre endettement. On endette l'Afrique avec ces armes qu'on leur vend. Et c'est eux-mêmes qui vont acheter ces armes. Imaginez, imaginez que Macron arrive en France et au Mali. Macron n'est pas allé descendre à Bamako, dans la capitale. Ça, c'est vrai. Macron descend à la base militaire. Et il demande au chef de l'État malien à qui il rend visite de se déplacer pour venir chez lui. Vous voyez? Moi, je viens chez vous. Je viens m'installer dans un hôtel. Je vous demande, vous, que je veux voir. Mais déplacez-vous, vous venez dans mon hôtel. Et grâce à M. Macron, le président malien a pu visiter ces zones-là. Mais le président n'a pas accès à ces zones, M. Le Kenan. Président qui est président de tout le territoire, il n'a pas accès à ces zones. On lui a autorisé seulement parce que le président français était là. Vous voyez? D'accord. Comment des rebelles peuvent être plus puissants que des armées régulières? Posez-vous la question. On ne parle pas des bandes de brigands, hein. Des armées régulières. Ce n'est pas des milices. Mais pardon. On va clore ce chapitre. Mais je voulais quand même attirer l'attention, sinon votre attention. Monsieur Macron parle d'un sentiment anti-français au niveau de l'Afrique. De quoi? Qu'est-ce que Macron veut nous dire en parlant des sentiments anti-français? Ben, je pense qu'il a fini par se rendre à l'évidence que la France, par ses actes, par les actes qu'elle pose, elle pose problème en Afrique. Sa présence en Afrique, alors, à partir de ça, pose problème. Et beaucoup de ses prédécesseurs français et présidents français ont essayé de ne pas voir le problème. Mais en fait, en 2019, même un aveugle français sait que la France est à la source des malheurs de l'Afrique. Et si la France est à la source des malheurs de l'Afrique, c'est que les Français ne peuvent pas l'aimer. Et je dis français, les Africains ne peuvent pas l'aimer. Les Africains ne pourront jamais l'aimer. Donc, mais ce qui est étonnant, M. Kenao, il y a ces problèmes de situation des retraités, il y a aussi cette situation des gilets bleus de l'autre côté. Macron ne peut pas résoudre ces problèmes, mais c'est en Afrique qu'il vient pour régler les problèmes des djihadistes. M. Kenao, qu'est-ce que cela vous fait concrètement? Mais les politiciens français, ces opposants français diront qu'il est en train de faire de la diversion. Il est en train de vitesse, M. Kenao. Oui, mais ses opposants diront qu'il est en train de faire de la diversion. C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper du problème réel chez lui, il attire l'attention des gens ailleurs, en Afrique. C'est tout. Et maintenant, la deuxième raison pour cela, peut-être parce qu'il est en train de chercher des financements pour satisfaire les gilets bleus. Et où est-ce qu'il va trouver ce financement? Ce n'est que dans les pays, chez les Africains, M. Gawa. Maintenant, il fait pression sous les tables, sur ces présidents africains, pour qu'ils envoient encore les richesses. Comme ça, son trésor français sera un peu on paie les gens. On nous a dit, sa présence sur le sol malien fait beaucoup de profits. La France bénéficie beaucoup de ce profit. Alors, on va un peu changer d'idée. On va aller directement sur les États-Unis où le président Donald Trump est en train d'être suspendu. Monsieur Kenao, je pense d'être destitué.
Monsieur Kanaou, je pense que vous avez les informations. Les démocrates veulent passer à l'offensive. Monsieur Kanaou, quelle est exactement cette situation que les démocrates veulent réellement se baser là-dessus pour pouvoir destituer le président Donald Trump? Mais tu sais, tout ce que je peux dire, c'est que, vous savez, cette histoire américaine ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire américaine date depuis le jour même que le président Donald Trump s'est déclaré candidat. Vous savez, il ne s'est pas déclaré candidat comme tous les autres candidats. Il s'est déclaré candidat sous tension, déjà dès le premier jour par son discours où il a traité les Mexicains de tout. Il a traité les Mexicains de tout et durant tout son parcours, vous voyez son langage, il n'a pas le langage de tous les politiciens. Son langage est différent. Hein? C'est-à-dire qu'il sort totalement du moule de la politique internationale. Il sort totalement de ce schéma que le monde a connu depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Il ne fait pas les choses comme les autres. Donc ça fait que les gens ne sont pas habitués à ça et ça dérange les gens. Bah, aujourd'hui, tout ce qu'on lui reproche s'est accumulé et c'est cette petite goutte-là qui a fait déborder l'autre vase des démocrates. Et sinon, cette histoire d'Ukraine-là, bon, tous les chefs d'État font des coups d'appel. Tous les chefs d'État demandent quelque chose contre quelque chose. Oui, mais le fait de dire qu'il faut investiguer sur Joe Biden, qui est aujourd'hui candidat, pourquoi il ne l'a pas depuis fait et c'est maintenant que le président Donald Trump. Vous savez, tout ce que je peux dire, c'est que il ne fait pas les choses comme les autres, je vous ai dit. Le type, c'est un homme d'affaires. Vous savez, c'est vrai que le Biden est candidat. Mais avant d'être candidat, Biden est citoyen. Vous comprenez? Donc, si c'est ça, bon, c'est mais là que je quoi, dis aux gens. De quoi les démocrates ont-ils voilà. Mais si maintenant, c'est-à-dire que maintenant, si chaque fois que je sais que j'ai fait quelque chose, je peux me présenter. Vous voyez? Mais tout ce que je peux dire, c'est que le président, il a déjà fait le coup d'appel. Et on est là où on est. On est là où on est. La destitution, elle est inévitable. Mais tout ce que je peux dire, c'est que les règles de la destitution les critères de la destitution sont changés, sont tellement ramenés au bas que tout président, pour quelque action que ce soit, peut être destitué. Tout président américain maintenant, si on veut partir de cette logique démocrate, des démocrates, tout président, tout acte qu'il va poser, s'il a la majorité, et si l'autre camp a la majorité, l'autre camp peut le destituer. Ouais, mais parce que la destitution, dans la politique américaine, ce n'est pas quelque chose de juridique, c'est politique. Et quiconque contrôle la chambre basse peut avancer l'idée de destitution sur n'importe quelle base. Vous n'avez pas besoin de prouver. Son acte a porté atteinte à la sécurité américaine et vous allez le destituer. Tout cela va passer par le Congrès, ça va passer par la justice. Voilà. Et au niveau du Congrès, la majorité, c'est bien les républicains. Est-ce que vous croyez que les républicains peuvent voter réellement contre Donald Trump? Est-ce que vous savez que les démocrates même qui lancent cette procédure de destitution. Est-ce que vous croyez que les démocrates même savent qu'il sera destitué? Non! Les démocrates savent qu'il ne sera pas destitué. Mais, comme pour faire plaisir à leur base, qui a déjà souhaité qu'on le destitue dès le premier jour, bon, on va le faire. Mais maintenant, est-ce que les républicains le feront jusqu'à ce jour? Je ne crois pas. Mais la destruction au niveau de la Chambre basse, au niveau des représentants du Congrès, aura lieu. Inévitable. Oui, mais au niveau des critères dont nous avons parlé,
il y a le fait qu'il y ait de la criminalité au niveau de... Pour qu'un chef soit un président soit destitué, le problème le plus lourd, sinon le critère le plus lourd, c'est le crime. Est-ce que Donald Trump, vis-à-vis de ce que nous sommes en train de voir, a commis un crime? Ça dépend de celui à qui vous allez poser la question. Les démocrates trouvent qu'il a commis le crime, qu'il n'arrive pas à déterminer. C'est là que je vous dis que c'est politique, ce n'est pas juridique. Ils disent qu'il a commis le crime, mais ils n'arrivent pas à montrer le crime. Mais M. Kinao, c'est étonnant. Hier, nous avons vu le président Bill Clinton. Il a eu un problème bien efficace et il devait... C'est là que je vous dis, lui, monsieur, on dit qu'il a menti. Hein? Qu'il a menti. Monsieur Obama aussi a pris sur lui le veto d'aller directement attaquer la Libye. La Libye a été détruite, Monsieur Kinao. Voilà. Ça ne veut pas que le Congrès ne vote cela. Je vous dis que c'est un acte politique. Si vous avez la majorité au Congrès, vous pouvez vous permettre de faire cela. Mais, il y a un mais. C'est aux votants, c'est aux électeurs de vous sanctionner s'ils ont jugé que vous avez abusé de votre droit de Congrès. C'est tout. Est-ce que nous sommes aussi en face du fait que les démocrates n'ont pas un candidat potentiel qui peut affronter Donald Trump pour les élections prochaines? Vous-même, quand vous voyez la liste, là, eux-mêmes disent que c'est Biden. Eux-mêmes, les démocrates disent que c'est Biden. Mais maintenant, on laisse les choses aller. Tout ce que moi je dis, c'est que l'impeachment au niveau des États-Unis, c'est la peine capitale politique. Ce n'est pas facile. Donc, c'est ce que les fondateurs, les rédacteurs de la Constitution américaine, eux-mêmes, ils appellent que les pères fondateurs, ont vu qu'avant d'atteindre l'impeachment qui est la peine capitale, le crime doit être palpable, visible. C'est ça. C'est ça. C'est que ce n'est pas un truc léger. Mais aujourd'hui, on a dévalué. Vous comprenez? Avec l'impeachment d'aujourd'hui, ça a été dévalué parce que les gens disent qu'il a commis un crime, mais ils n'arrivent pas à déterminer le crime. Car si vous êtes un homme averti, le crime avait commencé par ce qu'ils appellent bribery. Non, d'abord le quiproquo, donna-donna. Après donna-donna, on est parti sur extorsion, c'est-à-dire que vous forcez quelqu'un pour prendre quelque chose. Après maintenant, c'est bribery. C'est que vous êtes en train de voler la personne. Mais les deux articles sur lesquels on veut le destituer parlent d'abus de pouvoir et de faire obstruction, d'empêcher le déroulement de l'enquête au niveau de l'Assemblée, du Congrès. Ces deux-là, juridiquement aussi et politiquement aussi, ne marchent pas. Parce que la Constitution américaine elle-même, dans son article 2, donne droit au président de la République, le privilège de la maison de l'exécutif. Mais tout compte fait aujourd'hui, le cas américain, pour ceux qui nous suivent, sort du cadre même de ce qui a l'habitude d'être fait. Du droit. Et moi, mon inquiétude, en tant qu'homme averti de la politique américaine, en tant que spécialiste de la politique américaine, c'est que l'impeachment par celui-là que les démocrates ont lancé, dévalue tout. Et que maintenant, pas pour le futur, si un président arrive et que le camp qui a la majorité au Congrès ne l'aime pas, il peut trouver un élément pour le renvoyer. Et vous allez voir que la démocratie américaine va alors devenir la démocratie africaine. Du désordre. Et M. Niawa, là où c'est grave encore, c'est dans ce désordre-là que des dictateurs des pays de l'Amérique vont sortir. Un président va arriver avec un congrès, il va tout verrouiller. C'est ça le danger. D'accord, avec voilà. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, M. Kenao, avec tout ce que nous voyons,
si jamais le président Donald Trump n'a pas été destitué, M. Kenao, est-ce que nous sommes en train de voir la réaction de ce monsieur qui fait que les démocrates ne dorment pas? Mais en fait, si vous suivez réellement ce qui se passe, c'est que les démocrates, au fond de leur intérieur, savent qu'ils ne peuvent pas le battre sur le terrain. C'est pourquoi ils disent qu'il faut le destituer avant les élections de 2020. C'est qu'il faut le destituer afin qu'il ne puisse pas être candidat d'abord. Mais qu'est-ce qui va se passer, M. Niawa? C'est qu'il y a un revers de la chose. Il sera destitué au niveau du Congrès, mais au niveau du Sénat, qui va le renvoyer du pouvoir, il n'y a que les Républicains. Il faut une défection de 20 sénateurs républicains pour que Donald Trump soit renvoyé du pouvoir. Mais c'est ce qui est impossible. D'accord. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va donner la force maintenant au président Donald Trump d'aller encore devant les gens durant des campagnes dire que, vous voyez, ils ont voulu me persécuter, mais ils ne m'ont pas eu, je les ai eu. Et maintenant, ça va galvaniser sa base. C'est là le seul danger que les démocrates sont en train de courir. Mais ce que moi je dis, c'est que dans cette histoire-là, la barre a été d'impeachment a été ramenée tellement bas que demain, quiconque arrive au pouvoir peut être destitué. Et dans cet élan-là, les Américains risquent de se retrouver comme les Africains, avec des présidents qui vont venir pour tout verrouiller. D'accord. Merci encore une fois de plus, Kenao. On ne va pas toutefois finir cette émission sans toutefois parler de quelque chose de plus intéressant. On va le faire pendant au moins quelques minutes. Mon cher Kenao, le gouvernement togolais veut... Non, pas le gouvernement togolais, présidentiel Togo 2020 aujourd'hui. Ouais. Non au quatrième mandat du président Faure. Monsieur Atiso Fulbert dit que la CENI est dictée par le ministère de l'Intérieur et il propose même Monsieur Podro d'être président au niveau de cette CENI et il a vraiment déploré la dernière sortie de Gilbert Bawara et tout comme fait, il dit que aussi la diaspora aujourd'hui qui pouvait être à l'honneur des élections, on a négligé cette diaspora et on a créé le Haut Commissariat des Togolais de l'extérieur qui, les postes sont occupés par des gens qui ne peuvent pas, être légalistes, M. Kenao, vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui chez vous. Comment est-ce que vous faites les analyses vis-à-vis de cette sortie? Vous savez, là, cette sortie, je la classe parmi la distraction. Monsieur Niawa, je classe cette sortie de Fulbert Atiso dans la catégorie des distractions. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, dans la tête du gouvernement togolais, ce sont les élections. Et que ces élections seront organisées par cette CENI. Alors, à quoi ça sert de mettre la confusion dans la tête des gens parlant de la tête de CENI, d'un certain Podro, que le gouvernement n'acceptera jamais? Mais il dit que la CENI pose un problème. Mais qui a fait que la CENI pose un problème? Les 8 places qu'on avait données pour dire qu'ils vont contester les résultats des élections. Mais ils ont toujours contesté les résultats. Voilà. Qui a fait que la CENI est composée ainsi? On a donné 8 places à l'opposition togolaise. Mais si elle avait occupé ces 8 places, Monsieur Niawa, si elle avait occupé ces 8 places, les élections ont des conséquences. Monsieur Fulbert Atiso demande la reformulation de la CENI, tout simplement. Avant les élections 2020. Il faut l'oublier, il veut se faire entendre, c'est tout. Hein? Et il y a longtemps, on ne l'a plus entendu, et il veut se faire entendre. Parce qu'à l'heure actuelle, je demande plutôt à l'opposition, si elle veut se donner encore une chance d'aller sur le terrain. Ces histoires de recomposition de CENI, recomposition de la Cour constitutionnelle, M. Niawa, c'est une distraction. Ça n'aura pas lieu avant les élections.
à moins d'un cas grave. Parce que le gouvernement, c'est là que je parle de l'opposition togolaise. Vous devez connaître la mentalité de votre adversaire. Le gouvernement togolais ne changera jamais cette date-là. Alors à quoi bon une opposition qui veut se faire sérieuse est là à intervenir sur ces histoires de recomposition? Ça ne sera jamais fait. Et encore, M. Kenaou, il dit que la CENI doit être dirigée par une institution et non extérieure, ou bien par l'ONU pour pouvoir certifier les élections. On veut introduire encore l'ONU dans ces histoires. La Côte d'Ivoire a payé le prix. Vous voyez comment les Africains n'apprennent jamais de leurs erreurs. La Côte d'Ivoire a payé le prix. Et maintenant, le Togo veut... Mais vous ne voyez pas que c'est regrettable. Mais tout ce que je peux dire, ceux qui savent qu'ils veulent aller aux élections, qu'ils se mettent au travail. D'accord. Si vous ne voulez pas aller, n'embrouillez pas ceux qui veulent aller. Ne faites pas croire ceux qui veulent aller que ça sera refait. Et à la dernière minute, quand on va les gagner, on nous a encore volé. Ce n'est pas toutefois que les chefs d'État africains volent, s'il vous plaît. Merci encore une fois de plus, Kenaou. J'ai été vraiment pas servi, mais quand même, tous ceux qui nous regardent, l'audience a été quand même servie de ce que nous avons parlé. Monsieur Kenaou, ouais. Votre mot de fin par rapport aujourd'hui à la situation de l'impeachment de Donald Trump, par rapport aussi à la sortie de Macron et par rapport à cette élection présidentielle 2020 au Togo. Bon, en par rapport, minutes, Monsieur Kenaou. Par rapport au sommet des pays du Sahel avec la France, je demande à la France tout simplement d'être honnête. D'être honnête et de jouer à un jeu franc. Si la France veut aider les pays sahéliens, qu'elle retire purement simplement ces djihadistes. Purement simplement ces djihadistes. Qu'elle retire. Mais ils veulent le retirer de la base militaire, Monsieur Kenaou. Je dis qu'elle retire ces djihadistes d'abord. Si les djihadistes n'étaient pas là, ces chefs d'État africains n'auraient pas tellement besoin de la base militaire. Et ensuite, juste de travailler en étroite collaboration en tant que partenaire avec ces pays du Sahel. Point tiré. Ça s'arrête là. Maintenant, en ce qui concerne la destitution, l'impeachment de Donald Trump, le président américain, la procédure est déjà avancée, très loin. L'impeachment au niveau du Congrès aura lieu. Mercredi, probablement, ça sera fait. Et maintenant, on attend en janvier le Sénat. Je souhaite bonne chance aux deux côtés. Je souhaite bonne chance aux démocrates et je souhaite bonne chance à Donald Trump. Parce que dans cette histoire-là, on ne sait pas où se trouve la vérité. Le peuple américain, à un moment donné, décidera. Donc, je dis tout simplement que les deux camps reviennent à la raison et trouvent une solution à cette histoire-là qui ne fait que diviser de plus en plus les États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous ne pouvez pas tenir un langage sans qu'on vous qualifie d'extrémiste ou de supporter de Donald Trump. Si vous n'êtes pas socialiste, d'un côté, vous souhaitez... vous êtes pour Trump. Aujourd'hui, on ne peut pas donner vous ne pouvez pas donner un point de vue personnel sans qu'on vous attribue une étiquette. C'est ça qui est malheureux. Quand nous, on était dans ce pays-là, ce n'était pas comme ça. Maintenant, le Togolais doit comprendre que les élections sont déjà lancées, avancées. Que l'opposition togolaise abandonne cette idée de la CENI sera recomposée, la Cour constitutionnelle, qu'ils se mettent au travail. Qu'il aille sur le terrain, que l'opposition aille sur le terrain. Si Jean-Pierre Fabre sait qu'il sera réellement candidat, qu'il commence par s'investir sur le terrain plutôt que d'écouter ces discours distracteurs de certains hommes politiques qui ne représentent l'ombre que d'eux-mêmes. Je vous remercie. Merci encore une fois de plus, M. Kenaou. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oui. Merci. Ah. C'était sur ce mot que je voulais clore cette émission. Face à face, vérité avec mon invité spécial Yves Kenaou, qui a quand même
décrypter la politique, sinon l'actualité panafricaine, l'actualité internationale et aussi l'actualité de son pays. Merci à tous, à l'audience qui nous a assisté. Et sans toutefois oublier Monsieur Malik Sall à la réalisation de cette émission. Et quant à moi, Serge Niawa, votre animateur principal, et tout simplement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.